Pardonnez-moi, mais restez là, vous allez reprendre la parole. Ce qui est intéressant, c'est que le témoignage de M. Bic, qu'on va entendre tout de suite rapidement, M. Bic, a été soumis à hypnose. Donc, c'est une technique de vérification de ce témoignage. Oui, mais comme Mme Muller. M. Bic. C'était pour dire que bon, moi, je viens de Nice, et il y a deux ans, j'ai vu un ovni avec ma femme et mon fils. Et donc, ça s'est passé le soir au col de Vence, dans l'arrière-pays niçois. Et donc, c'était un gros triangle qui nous a survolé. Et ça a duré 2 minutes. Et il y a eu Bud Hopkins qui est venu des États-Unis, qui m'a proposé de faire une séance d'hypnose pour voir bon, quand même ce qui s'était passé. Donc les faits sont révélés exacts, mais j'ai apporté un fait nouveau en disant que le témoin qui était avec nous, qui était un ami, avait disparu de la scène. Chose que je n'avais jamais dite avant à la police. Il a disparu Il a disparu. C'est qui. Je ne dis pas qu'il s'est fait enlever, mais sous hypnose, j'ai révélé qu'il avait disparu. Pourquoi ne l'aviez-vous jamais dit avant? Mais parce que... Parce qu'il ne savait pas. Nous, quand l'OVNI est venu sur nous, ça a duré 2 minutes. C'est un gros triangle qui est venu sur nous. Et cet ami était avec vous? Il était avec nous, et j'avais mon fils et ma femme. Bon, on a vu cet OVNI, ça a duré 2 minutes. Bon, on n'a pas pu se tromper, c'était pas des étoiles ou la lune ou un avion. Et quand Bud Hopkins est venu des États-Unis pour me mettre sous hypnose, j'ai révélé donc presque un an et demi après que mon ami avait disparu. Pourquoi vous ne l'aviez pas révélé avant ça? Parce que je ne savais pas. C'est votre femme. Enfin, on sait qu'il a disparu. Pendant le temps, il n'a pas su. Ah, il a disparu depuis? Oui, oui. C'est pendant les 2 minutes d'observation, il a disparu. Je crois que l'ami s'était volatilisé. Non, il est apparu après. Ce qui est très important, c'est que... Votre ami est toujours là. Voilà. Ah bon? Heureusement. Oui. C'est ça que je me disais, j'étais... Le problème qu'il y a eu, c'est qu'après l'observation, il a été malade. On n'a jamais fait la relation avec l'observation. Il a eu des nausées, il a été très fatigué, il ne mangeait plus. Mais ça, personne n'a fait la relation avec l'observation. Et c'est Bud Hopkins qui m'a dit justement, il y a peut-être une relation. Et en me mettant sous hypnose, j'ai révélé qu'il avait disparu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon... Est-ce que c'est vous dont l'empreinte du cerveau a été prise, vous pensez? C'est M. Carter qui est derrière. Ah, c'est monsieur, pardonnez-moi, excusez-moi. Monsieur Carter qui lui a été... Et qu'est-ce que vous pensez, pardonnez-moi, une dernière question, quand vous racontez cette histoire aux personnes, votre femme, votre fils, votre ami qui a disparu, quelle est la réaction des personnes à qui vous les racontez, si vous la racontez? Les gens, vous savez comment ils sont, ils rigolent des fois. Mais justement, ce qui était très intéressant, c'est que le lendemain de l'observation, j'ai demandé à mon fils, qui avait à l'époque 7 ans, je lui ai dit, dessine-moi ce qui s'est passé hier soir, même pour nous, pour être sûr. Et il a pris, il a dessiné exactement ce qui s'était passé. Il y avait un très gros triangle, il a dessiné exactement ce qu'on avait vu. Alors comment vous expliquez ça, madame? Puisque vous parlez tout à l'heure que vous aviez des sources oniriques. Est-ce que vous pensez qu'un petit garçon de 7 ans, sa maman et son papa, puissent avoir la même réaction, je dirais, physiologique ou psychologique? Même la nature a réagi, même la nature. Il y a eu un silence total, l'objet et la nature. Et quand l'objet a disparu, les chiens sont mis à aboyer, et puis tous les bruits de la forêt. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans les témoignages, gens qui ont vu, etc. Et on a fait une caméra cachée en décembre 1994. Non, on va laisser finir par nos équipes. Parlez-moi, qui est là, qui a encore quelques mots à dire. Pardon. On va voir la caméra cachée après, si vous voulez bien. C'est juste que, en plus, je suis très sensible à ce qu'il vient de dire. Il y avait apparemment une observation d'une anomalie qu'il a vue et que son fils a vue. Ça, c'est une chose. Ça, c'est fait partie, en fait, d'un certain nombre de cas. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, pardonnez-moi? Est-ce que tout à l'heure, vous avez dit, on n'a pas encore rassemblé... Il a commencé son histoire avec une anomalie. Il a vu quelque chose et son enfant a vu quelque chose. Oui. Il a fait venir l'hypnotiseur spécialiste Bud Hopkins des États-Unis, oui, qui a retrouvé un récit tout à fait de Bud Hopkins, mm-hmm, avec de l'hypnose avec ce monsieur, qui met en rapport avec l'anomalie. Oui. Comme la réponse, comme si c'était la cause de l'anomalie. Mais donc, Bud Hopkins aurait fabriqué les casseroles, il aurait vu casseroles. Non, je regrette. Les récits de Bud Hopkins sont très spécifiques parce que s'il faut quand même comprendre qu'on utilise de l'hypnose dans cette histoire-là. Mm-hmm. Et ce qu'il a revécu sur l'hypnose, parce que c'est une des propres de l'hypnose, la suggestibilité de l'individu et le fait que ce qu'il revit sous hypnose, il le vit comme s'il y était, avec toute la terreur qui est dedans. Mais avant l'hypnose, il avait déjà dans la tête. Non. Ce qu'il avait dans la tête, c'était l'anomalie. L'anomalie, qu'il a vu quelque chose. Ce qui est très curieux, moi aussi, et le petit garçon j'ai de 7 vu ans quelque aussi. Chose. Non, c'est parce que les choses. Quand vous avez les témoignages de l'autre côté, je vais faire un témoignage, après tout. Qu'est-ce que vous avez vu? Je vous donne un très brièvement comme l'autre, là.
Monsieur Monnet, non. Donc, il y a un livre anglais sur les témoignages des enlevés par les extraterrestres. Le premier récit. Vous avez vu quoi, madame? Parce que je comprends pas. Je l'ai dit tout de suite. Ah, oui. C'est les disques de lumière. Dans ce livre anglais qui vient de sortir sur les témoignages, c'est le premier récit, une brave dame qui voit des cercles de lumière. J'ai apporté ce livre à un collègue ici en France et j'ai ri et j'ai dit, mais c'est trop curieux. J'ai eu exactement la même expérience. J'ai vu les cercles de lumière pendant un voyage quand j'étais en Italie dans les fins des années 60 qui a apparu sur un patio devant un hôtel. Mmh. Mais il se trouve aussi que je savais que les cercles de lumière que j'avais vus ne pouvaient provenir d'autre chose qu'un laser. Parce que j'avais déjà joué avec les lasers quand j'étais à l'université aux États-Unis. Mmh. Alors, les trucs qu'on faisait, c'est de passer la petite boule de laser de l'autre côté du campus et le faire balancer sur quelqu'un. Et c'était très rigolo parce qu'il n'y a pas de rayon. Il n'y a que le cercle qu'on voit. Oui, oui, oui. Comme ça, je pouvais... Attendez, des ovnis, deuxième chose. De faisseau laser. Ouais. Attendez. Oui, le faisseau laser, ça ne peut pas faire 8 mètres de large. Hein. Le faisceau laser, c'est... Ça peut pas... Le faisceau laser de 8 mètres, ça n'existe pas. Pas bon. Alors, Laurent, vous nous parliez tout à l'heure de... D'une caméra cachée, c'est-à-dire qu'on entend effectivement ce monsieur, et sûrement son témoignage est vrai, qui dit « j'ai vu, ma famille a vu, etc. » Nous, on avait fait quelque chose en décembre 94, c'est nos équipes qui l'avaient réalisé à l'époque, dans les Yvelines, dans un village des Yvelines. On était allé un jour de marché, ramasser des traces, relever des traces, et on s'est aperçu que avec une très équipe rapidement, officielle, gyrophare, tout le monde, radio, voilà, etc. Tout le monde très rapidement a vu et a témoigné sur un ovni ou quelque chose qui s'est posé. Et en fait, bien sûr, c'est un canular, rien ne s'était passé. Voilà, immédiatement la caméra cachée. Là. Instruction du PC, on attend, on est sur place. Hein. On attend les instructions, on a reçu. Mais ça a fait un grand vrac dans le ciel, vas-y. Les gens en parlent, c'est vrai. Ouais. Comment ça, un grand vrac dans le ciel? Ben, un bruit, ça fait un bruit sourd, elle a dit, non, tout à l'heure. Ouais, un bruit sourd. Pardon? Ça l'a réveillé, la dame. Mais fort, le boom? Ben, il me semble bien que j'ai entendu un genre de boum, ouais, un genre de truc comme ça, mais là, j'ai pas prêté attention, quoi. Il n'y a pas eu un bruit, on nous a parlé d'un bruit, nous. Ben non, personnellement, vous savez, moi, la nuit, je dors, hein, et je suis un peu dur d'oreille, alors... Moi aussi, je viens de l'apprendre ce matin, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, et puis j'ai demandé, on m'a dit que c'était un engin ou autre chose qui aurait atterri, mais quoi? J'ai un ami qui l'a entendu, moi, il m'a raconté ça, mais il sait pas ce qu'il y avait vers 3h du matin. Je sais pas quelle heure qu'il était, mais je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Qu'est-ce qu'il a entendu? Ben, un boum aussi. J'ai senti une odeur inaccoutumée, je peux pas dire... vous voyez, je ne sais pas exactement quel genre d'odeur, mais une odeur que je n'ai pas l'habitude, ça n'a pas duré. Il n'y a pas eu de coupure, de saut d'image. Si, ah, si, ah, si. On a eu la... Et même ce matin aussi, on a eu la lumière, l'image qui est partie deux fois. Sur la télévision? Sur la télévision. Non, non, il n'y a plus de soi d'image. Parce que ça mouille les ondes, parfois. Par contre, il y a une coupure de courant là, sur la ligne. Il y a quelque chose, j'ai vu pour la première fois une hirondelle qui arrivait chez nous. Je me suis levé, je me suis mis à la fenêtre. Je vous dis tout à fait par hasard, enfin, il faisait frais. Et j'ai vu des boules, je vous l'ai dit, mais ovales. D'abord rondes, mais enfin, un peu, prenez une allure ovale en filant. C'est pas un avion, ça bougeait pas. Avec un rayonnement intense. Et puis, quelques instants, je dis aux copains, regarde, on a regardé. On s'est dit, en riant, tu vois pas, c'est quand même quelque chose de surnaturel, enfin, d'extra-naturel. Mais là, vous savez que c'est pas impossible qu'il y ait pas un truc qui s'est atterri là. C'est tellement bizarre maintenant la vie. Hein. Un village entier de témoins, vous avez vu? Ouais. On a fabriqué un village entier de témoins. Bon, attendez. Mais c'est facile, attendez, ça. Non. Mais oui, c'est facile. N'importe quel couillon peut le faire. L'important, c'est de... Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Guilleux? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je veux dire par là que n'importe qui... S'il vous plaît. Non, M. Guilleux, d'abord. Je veux dire que n'importe qui possédant une bêta-cam et quelques amis, etc., peut faire la même chose. Ah non, c'est des habitants du village, là, non. C'est pas des complices. Oui, mais on les a sollicités un peu. C'est la preuve que veut apporter Laurent. Non, moi, excusez-moi. C'est ce que veut dire Laurent, c'est que c'est facile, justement, d'obtenir... On est en train de dire que c'est facile, vous voyez, qu'il y a quelqu'un qui dit que... J'ai vu deux boules... Si nous étions malhonnêtes, nous, qui nous intéressons depuis tant d'années à ce problème, on en aurait des paquets et des paquets, beaucoup plus que
fait les quantités énormes que l'on possède déjà. Bon, alors écoutez, au lieu de, excusez le terme, de pinailler comme ça, moi je crois qu'il y a des gens comme Bourdet et comme Petit qui ont des choses importantes à dire. Pierre Déac, Carter, etc. Alors, monsieur Carter, votre témoignage alors.